Salut vous de YouTube! Salut! Je suis à Mauville là. Mais c'est là où j'étais, Mauville. Oui, mais faut que t'ailles au centre Pokémon de Mauville. Ouais, non, et tu parles à un mec avec des lunettes. Y'en a aucun qui a des lunettes. Si. Ça fait bien. Ah, ils sont trois. À côté du centre Pokémon, j'ai un côté un de l'infirmière. Je suis un abruti. Je te l'avais dit. Non, j'étais dans le shop. Ah! Tu juges là, non? Il fait beau aujourd'hui, hein? Ouais. Ouais, il a fait beau. Non, c'est pas vrai. Il a fait de glace. Ah ouais? Non, je suis. J'ai boulé tout le temps. Ah, du il pleut, soleil, il pleut, soleil. Oh là là. Non, c'est très beau. Ouais, là nous, ça fait un bail. Oh, moi je vois bien avec une boîte con. Là. Le vendeur m'a demandé de te retrouver. Et un autre serveur a te demandé. Pour être... Prendras-tu l'œuf de Pokémon? On a découvert que pour éclore, un Pokémon doit grandir dans l'œuf. Elle doit aussi trouver des Pokémon actifs pour éclore. Tu es la seule personne sur qui nous pouvons compter. Appelle-le Proforme lorsqu'on la fera éclore. Et du coup, je retourne où j'étais là. Oui. Ok. Enfin, tu vas au sud. Voilà. Direction Écorcia. T'as mis le son en stéréo, toi, ou pas? Non. Dommage. Pourquoi? Bah, c'est rigolo. Ça fait un petit effet drôle. Ça change. Et il me propose du crack. Le mec a rien compris. Et maintenant c'est... Waouh. Splash. Mais quand je le bats, il fait splash. Oh, un petit arc. Ah, les œufs, ils prennent la place des Pokémon dans le jeu, ok. Ouais, comme dans tous les jeux. Non. C'est... T'es sûr? 100%. Ah ouais? Ouais. Mais non. Si. Oh, je suis full perdu, ok. Oui. Allez, Sonic. Merde! J'ai oublié un truc. Allez, ça m'étonne pas. Paf! Le badge en dessous a été obtenu. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Il y a deux petits gros là qui attendent sur le bord du ponton, lol. C'est pêcheur. On n'a pas besoin de leur parler ici. Non, mais ils ont des magicas. Ça fait l'XP. Comment ça fuit impossible. Ils ont pas du tout des magiques, rappelez bien. Ouais, ouais si, y en a un des deux, si, si. Et l'autre, il est pas du tout des magiques. Non, ouais, il a des petits tards. Hein. Ouais. Ils ont failli me laver les petits tards. Hein, mais... moi, je... Sérieux? Ah oui, c'est vrai que t'as un ferrisson. Nice, maman m'a appelé, trop bien. Quelle chance. En plus, elle avait l'air d'avoir des cadeaux pour moi. Je suis vraiment content. C'est vrai? Ouais. Mais on sait tous les deux ce que c'est, ce qu'elle m'a offert. Hein. Oh, de la même. L'évolution d'Axolotl, c'est quoi? C'est Marest. Ah ouais. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il a une tête rigolote. Ouais, il a une tête de...
Ouais, mais ça y est. Ouais, c'est vrai. Tu juges pas ma veste. Ouais, mais il est le deuxième. Allez, une dernière grotte. Eh petit, ça te dit une bonne... Quoi? Oh, Kuramono. J'ai vu le début du dialogue, j'ai fait pardon. Ma rome est hackée. J'ai fait un prix. C'est pour toi. Non. T'en veux pas, dégage. Très bien. Maman, je t'ai mort. Parce que dans ce jeu, ils font du deal de Kuramolos. Ouais, bah... Ça m'intéresse pas. Ah voilà, moi je voulais un Ramolos. Pourquoi j'ai pris un Axoloto? Ça bat, tu viens de Mauville. T'as battu Albert? Bien vu. T'as l'air intelligent, toi. Allez, terminé. One shot ces 3 Pokémon, on n'en parle plus. Elle punk à chien. Oh, t'es trop fort. Et hop, c'est parti. Cave jumelle, tout droit. Oh, il y a besoin de flash ou pas? Non, ok. Non. Et pour la faire évoluer en sablero, il y a besoin de quelque chose ou pas? Non. Non, non, juste monter de niveau. Je sais pas si c'est vraiment worth de prendre un sablette. Pas très puissante. Non. Vas-y, t'aimes bien son sprite. Tu peux le faire par physique. Tu speed toi dans la grotte? Pas pour marcher, non. Pour les combats, juste. Ouais, pareil. Parce que les combats sont bons. Putain, le gros il s'est retourné, il m'a écrasé. Oh, c'est rigolo ça! Ouais. T'étais presque synchro avec mon jeu, presque. Genre, la tête, il me défonce. Putain, c'est vrai qu'elles sont bien les musiques dans ce jeu. Ouais, elles sont cool. T'es mon rival, non, je t'assure que t'es pas mon rival parce que t'as un Ramolos level 10 que je trichote, on va dire. Donc calme-toi. Voilà, voilà, poète. Faut pas descendre au fond de la grotte normalement. Non, non. Mais tu peux y aller, il y a des objets, mais bon. Ouais, j'y suis allé. Bon. Ça, ça me fait XP. Ah ouais, ouais. Ouais, j'ai deux objets et deux Pokémon qui m'ont attaqué. Donc. Ouais, les objets m'ont attaqué. Ouais, ouais, tu juges? Bah non. Non, non, t'as pas le droit, t'es derrière ton écran. Bah non. Ah non, ah. Ouais, ouais, ouais. Bon, ils ont été plus forts que moi, mais bon. Ça, ça serait pitoyable. Par contre, pour faire évoluer les Gravalanches en. Un Golem? Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Pour faire un échange. Ok. Vive attaque.
Ouais, ok, allez. Ou sinon avec un code triche. Ouais. Ouais, ouais. T'es déjà sorti en sur la route 33, toi? Yep. Mais je t'attends. Je t'attends devant le Pyramos. Tu sais, avec un Pokémon type eau et un Pokémon type plante, ouais, ça va vite. Hein. Que ce soit des types feu, des types roche, des types sol. Ouais. C'est dangereux d'entrer ici, je fais le garde. Je suis trop cool, je trouve pas. Ouais. Okay. J'ai parlé à Varkas. Mais dis-moi, qui est Varkas? Les Ramolos ont déserté la ville. On dit qu'on vend leur queue quelque part. Ah, je vais peut-être acheter les balles, tiens. Bienvenue, en quoi je peux te les acheter? Ok, bon. Oh, t'as combien de thunes, toi? Ce qu'on voit. Là. J'en ai 7648. Pas mal. 7800. Pas mal. Mais qui est Varkas? C'est le fabricant de Pokéball. Ouais. Il est au nord. Non, Varkas. Oui. Oui, mais tu m'as dit Éléonore. T'es marrant un peu. Un tout petit peu. Oui, Éléonore. Inquiets-tu? Mais nous, tu voudrais que je fabrique quelques mots? Désolé, mais ça devra attendre. Connais-tu la Team Rocket? Je vais t'en toucher deux mots. La Team Rocket est plus redoutée que la peste. Il... Waouh! Eh ben, toi, t'as pas chopé la peste, hein, parce que Team Rocket, c'est un rhume à côté. Ils utilisent des Pokémon à des fins peu scrupuleuses. Ils ont cessé d'opérer il y a de ça 3 ans. Mais ils sont de retour et ils frappent de plus belle en coupant les queues des Ramolos. Pour les revendre. Je m'en vais donc leur montrer de quel bois je me chauffe. Moi. Tenez bon, les petits Ramolos, ce bon vieux Varkas arrive là à la rescousse. Non, tu t'es parti beaucoup trop vite, par contre. Tu t'es cru dans un nuée? Ah bah oui, pardon. Je puis, je t'attends devant. J'y vais, j'y vais. Il a rien à me dire, lui, avec son petit chapeau à la con. La peste de Léo peut continuer. Non, d'accord, ok, non, d'accord. Non, voilà. Et lui, il ressemble à Monsieur Pokémon. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Ça y est, je rentre dans le puits. Salut les loups! Le garde a décampé quand je lui ai crié dessus dans le puits. Et ben je me suis planté et je peux plus bouger. J'étais en forme, mais Pokémon les aurait punis. C'est vraiment bête. Venez, on va leur remettre une raclée à ma place. En gros, on va faire le boulot quoi. Ouais, bah comme d'hab. Le camion venir sur ta face! Putain, j'ai 10 ans. C'est pas mal comme ça. C'est vrai que le mec il envoie quand même un gamin de 10 ans dans une grotte faire le boulot quoi. Ouais, contre des mafieux. Ouais, de fou, ouais, c'est de fou! Qui coupe la queue de. C'est glauque! Oh putain. Ah, mais apparemment ça repousse les Ramolos. Ah ouais? Ouais. C'est ce qu'elle vient de dire, une méchante. Ah, j'ai pas lu du coup, je m'en foutais un peu. La rousse? Ouais. Oh, la tête des Ramolos après, tu les as vus? Non mais. Peur. Ah, de fou! C'est glauque, hein. Ramolos sent que 1, hein, il y a une lettre. Ouais, il y a une lettre, on la lit, oui. Elle nous lit la lettre. Sois sage et occupe-toi bien de la maison avec Pépé et Ramolos. Bisous, papa. Oh. Oh. Il est mort. Ramolos était à la queue coupée. Oh. Toi, tu vas vite décamper par contre. Parce que tu me bouches un peu le chemin. Allez, one shot, barre-toi maintenant.
C'est moi qui a été dissoute il y a 3 ans. Mais on a continué nos petites affaires dans l'ombre. Et à partir d'aujourd'hui, on va tout faire sauter. Ah, ah bah, ça... Et l'autre, ça y est, il est plus malade. Bravo, là, nous. Ah, c'est moi qui a été décampé. Bon, on va mieux. Allez, on se casse. Ok, cool. On va leur parler, non? Ouais. T'es bien battu. Ok, cool. Je suis... Mais ball. C'est vrai que... Ouais, non, mais ball, c'est bizarre, quand même. Ça aurait été traduit en français, ça aurait été mieux. Tiens, les balles. Ok, cool. Merci. Du coup, là, ça fait un peu... Tiens, mes boules. Sauf que c'est pas des pokéboules. Bon, bref. Ah, pas ball. Les balles à partir des numérums. Des crochetons bizarres, mais apportez-moi. Fabriquerai alors des boules. Des balles. Ah tiens, nanana. Excellent, je vais en faire une balle. Ça va prendre la journée pour te faire une balle. Rien plus tard. Ok, cool. On fait l'arène. Je vais d'abord me soigner, tu permets? Ouais, de même. Allez, rien me ready. Bon, bah, let's go. Je vais acheter des potions. Juste. Ah ouais? J'en ai plus. Ah ouais? J'en ai 4. Je les ai trouvés, on me les a donnés, moi. Ah ouais, t'en as pas acheté? Ah, jamais. Bah si. Charbon. Tu peux acheter du charbon. Pourquoi faire? Ah, y'a un four à charbon, c'est vrai, oui. Je vais prendre 10. Oh putain, y'a des super potions. Les armes sont de retour. Mais mon apprenti n'est pas revenu de bois au chêne. Où est donc ce dresseur de 3ème zone? Hein? Tout. Moi, je suis dans l'arène. J'y rentre. Salut les deux petites poufs! Allez, one shot lors de Pokémon de mort. Ensuite, salut toi! Tu prouves quoi de quoi? Que t'es un scout et que tu sais pas te battre? Let's go! Allez, two shot ces deux Pokémon. Ensuite, pas le temps de niaiser comme on dit. Non mais fais un effort! Voilà, le dresseur, j'ai tourné autour, tu sais, il m'a jamais vu. Il a galéré à me détecter, genre. Après, je veux pas balancer, hein. Mais l'IA de ce jeu est quand même meilleure que celle de The Division, hein. Ouais, bon, bref, allez, let's go. Oh non, t'es chiant. Salut, je suis Hector. Déjà, waouh! Blablabla. Oh bah, je les ai pas tous battus. Ah, moi oui, ça a XP. Ah oui, c'est vrai qu'il est déjà au milieu, oui, c'est vrai que je pourrais y aller déjà. Bah. Non, lui, je vais le one shot son paras, et puis voilà, c'est terminé. Let's go, allez. Hector! Je suis Hector, votre conseiller. C'est vrai qu'on dirait ce télé. Hein? Il est ouvert. Je suis Hector, je ne perds jamais lorsqu'il s'agit de Pokémon insectes. Ouais, bah moi j'ai un Pokémon de feu. Alors, mes recherches vont me permettre d'être un super expert des Pokémon insectes. Laisse-moi te montrer ce que j'ai découvert. À la fin du live, j'ai plus de voix, je vous l'annonce. J'aimerais bien voir un combat contre Hector contre Aaron du Conseil 4. Aaron, c'est lequel? Le Conseil 4 dans Pokémon Diamant par Platine. Et il a quoi comme Pokémon? Insecte. C'est vrai que ça a l'air d'être bien con comme combat. Hein. J'ai perdu. Après, c'est pas vrai. Si. Mais non. Si. Waouh, dingue! Tu es un expert en Pokémon! Mes recherches ne sont pas finies! Ok, tu as gagné. Prends ce badge. Merci. Là, nous, reçois le badge S1. Let's go! Pardon de vous couper dans votre élan et de couper la musique, messieurs dames, mais je vous annonce que je possède le deuxième patch. Ouais, c'est stylé. Non, mais on a travaillé un peu les overlays. Voilà, est-ce que c'est vrai qu'hier soir, 20h, 22h, on n'avait pas encore les overlays? Il est possible. Non, mais c'est possible. C'est possible. Ouais, non, j'avoue. J'avoue qu'hier, 22h, même 22h30, mais encore? Mais mec... Les renforts. Mais quoi? Mais mec, j'ai one-shot ces 3 Pokémon.
T'as un type feu, j'ai un type plante. Note à moi-même ne pas faire de voix de méchant quand je n'ai plus de gorge. Connais-tu les pouvoirs des badges du badge S1? Une fois que tu possèdes ce badge, les Pokémon jusqu'au niveau 30 t'obéissent. Hein? Qui connaissent Scoop peuvent aussi l'utiliser hors des combats. Tiens, je veux que tu prennes ceci. Taillade, ok, cool. J'ai encore perdu. Mais non. Moi je l'expé. Ah, mais oui, bon. Et la CS Coupe, on l'a où? Dans le bois. Mec, pour te dire à quel point les types s'est pété, bon, j'avoue, mon furisson est level 23. Je sais pas combien ton Germignon est level. 22. Ok, d'accord. Il a pas évolué? Si, si. Ah, ok. C'est un Macronium. Ouais, voilà. Macronium, c'est le. L'évolution des Germignons. Ouais, mais le deuxième ou troisième? Deuxième. Ouais, deuxième. Ouais, j'ai eu un doute, tu vois pourquoi. La troisième, c'est quoi? Méganium. Ah oui, voilà. Du coup, bon, bref, mon furisson il est level 23, j'ai 66 PV en tout, et dans toute la race j'en ai perdu 9. Oh, mais c'est un type feu. Ouais, c'est clair que c'est fou. Oh, pété. J'ai mon toque épique avec l'eau. Oh, nice. M'aime beaucoup. Oh, il devrait pas tarder d'éclore non plus, bien alors. Ouais, c'est en fonction des nombres de pas que tu fais. Ah ouais, bah je pense qu'on en a fait. T'en as fait plus que moi, mais pas beaucoup, je pense. Ouais. Bon, j'ai qu'un seul Pokémon, il faudrait peut-être que je me. Hein. Dis-moi, quelque chose, petit. Bonhomme, est-ce vrai que la Team Rocket est de retour? Quoi? Tu les as battus? Arrête de mentir. Non, t'es pas un vivoteur, toi. Allez, baston! Ok. Mais je te laisse engager. Oh, du sang. Oh, crocodile! Il est mignon. Il fait mal. Mais je le tue quand même. Alors, on pue ces grands morts? Un fufu! On pue! Chut. Je m'entraîne. Vilain Pokémon. Ouvre bien tes oreilles, mon petit. T'as gagné parce que mes Pokémon se sont couchés tard. La pire excuse. Et toi, gamin? Il est 22h44, c'est l'heure d'aller dormir. Je déteste les Minus. Pokémon dresseur, c'est du kiff-kiff. Fait devenir surpuissant et balayer les Minus. Et c'est pareil pour la Team Rocket. Ils sont redoutés parce qu'ils agissent en groupe. Mais un par un, ils sont faibles. Je les déteste aussi. Hors de ma vue, petit Minus. Un jeune comme toi ne peut rien m'apporter. Si. Du sel. Oh. Bon alors, on va où du coup? Dans la forêt. Tu l'as battu toi ou pas? Non, pas encore. Pas encore? Non, merde. Je suis en train d'XP. Yep. Allez, niveau 24. Prochain XP. Je lis le panneau au machin. Baimon Ramolos invoque la pluie et je baille. Ah, je me suis pris pour un Ramolos, c'est pitoyable. Et le bois, il est à l'ouest? Ouais. On y entre par la porte, sans déconner.
Pour la boîte. Putain, mais il y a un problème sur la ROM de ce jeu, c'est pas possible. Les sons des Fantominus et des Neuf Ferrapti, ils sont à droite seulement. Ça vient de ton jeu, ça. Non, c'est parce que j'ai mis l'audio en stéréo en fait. Tu devrais, c'est rigolo. Ouais, mais j'aime bien profiter des musiques. Ah, mais en stéréo, tu les as aussi, t'inquiète. Ouais, mais c'est ça, c'est différent. Oh. Allez, je te combat. Blablabla. Pouet. Alors, si chaud, quoi? J'ai gagné. Nice, GG. On speed les combats quand même, messieurs, parce que c'est un peu long des fois. Bon, voilà. Là, voilà, c'est des mystères qui m'attaquent. Bon, je vais pas les fighter tous, c'est bon. Oh, merci beaucoup. Le Pokémon de mon chef n'oublie pas parce que je n'ai pas le bon badge. Mon canard Tichéo, tu l'as retrouvé pour nous? Sans lui, nous pourrions couper les arbres pour faire du charbon. Merci, petit. Comment te faire plaisir? Je sais, tiens, prends ça. La CS coupe, c'est ça? Oui, je suis un boss. Décorché pour lui. Ouais, je sais, merci. J'aimerais bien d'autres bestioles, d'autres Pokémon que des mystères, là par contre c'est chiant. Le truc tout éclaté là, ça va. Hein. Bon bah voilà, j'ai la CS coupe, bon. J'ai même pas si mon Pokémon... Non, j'ai mon Pokémon full, j'ai traversé le bois, j'ai pas pris un damage. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on fait? T'en es où toi? J'ai coupé l'arbre qui me gênait, je suis devant la petite cabane. La petite cabane. Ouais, tu fais coupe et t'as une petite cabane, c'est tout. Mais faut avoir un Pokémon aussi, parce que moi j'en ai pas. Ah mais moi je l'ai. Je vais pas choper un mystère quand même, c'est tout claqué. Moi j'ai chopé un paras, mais c'est juste pour coupe. Hein. C'est un CS clap. Ouais, on peut le réutiliser après, mais quand même. Je vais sauvegarder, ça fait... Je peux sauvegarder depuis. Effectivement, on va très vite le faire, même si on est en record, c'est pas grave, save game. Save. Accès, hop. Bureau. Ouais, on fait ça en plein live, on s'en fout. Je sais pas comprendre. On n'a pas envie que ça crache. Voilà. Oh, le nom de fichier pas valide, quel enfer. T'en es où toi? Je cherche un Pokémon pour coupe. Un paras. C'est bien. Y en a dans le bois? Ouais. Ok, faut que j'en trouve un. Tu trouves assez facilement. Bah, j'ai que des mystères depuis tout à l'heure, j'ai trouvé peut-être 10 mystères. Bah. Du speed au pire. Ouais, je pourrais. Non, tu le trouves plus vite. Moi je suis tombé sur pas mal de paras quand même. Et pas mal de mystères aussi. Et des mystères aussi. Mec, j'ai 10 mystères à la suite là. Tu prends un mystère. Oh, mais c'est éclaté quand même, c'est moche. Hein. Y'a les pierres soleil, non? Non, c'est dans les gènes d'après. Ah, un paras, nice.
Mais pas KO. Non, mais je vais le choper direct, je pense. Oh. Il m'enlève un PV, c'est ridicule. Brouillard, c'est pourquoi? Brouillard, ça réduit la précision de l'adverse. De l'adversaire. Mais bon, si tu te concentres sur l'attaque, c'est pas très utile. Ouais, non, je vais essayer de capturer. Ah, d'accord, c'est vrai. Nice, il a des champignons sur le dos, lol. Parfait. Moi, si t'as faim. Ouais, moi, une petite vinaigrette et puis hop. Oui. Allez. Pourquoi ça privé? Bon, j'ai quand même utilisé 9 balls sur ce coin. La CS coupe. Utilisé. L'œuf apte, non. Paras, prends coupe. Alors, maintenant il faut trouver où c'est. Pour retrouver le petit arbre. Voilà. Cet arbre peut être coupé, genre c'est coupé. Oui. Hôtel du bois aux chênes. En l'honneur des protecteurs de la forêt. Est-ce que ça, c'est pas un hôtel pour les trois chiens? Non, c'est l'hôtel pour Celebi. Ah, voilà, ok. Bon, je monte vers le nord, mais je sais pas si c'est utile. Ah, bah, ça. C'est pour la suite du jeu, quoi. Ouais. Ok. Bah maintenant, je trouve des paras, lol. Ça me fait troll. Le petit mecton aux cheveux verts, là, qu'est-ce qu'il veut? Ce que je fais? Je pisse dans un arbre, tu vois bien, pourtant. Je secoue les arbres avec le coup de boule. C'est marrant. Tiens, essaye. Ouais, non, c'est de la merde. Au revoir. Je peux tomber sur tes Skyrim. Ouais. Oh, papillon. Je suis tombé sur un papillon. Pas mal. Il doit être level 2. 10. Ah ouais, quand même, c'est ok. Moi, j'aurais dit 7 ou 8, tu vois, pas plus. Sur la route dans le bois chêne. Ouais. Ah, ok. 9. Oh. Oh, c'est worse en vrai. Et je rentre dans le bâtiment. Et je sors du bâtiment. J'atterris donc sur la route. Les arbres, ah ben non, ça c'est pas le nom de la route, ça par contre. Allez, fight! Qu'est-ce qu'il veut le canin? Gontran, il s'appelle. Allez. Messieurs, dames, le petit chauve, on le battra dans le prochain épisode. Sur YouTube, des bisous à vous. Et à très bientôt pour le 4ème épisode. Fury, merci encore une fois à toi. Avec plaisir. Et à la prochaine. Allez, tchou. Tchou.